Je m'appelle Héloïse Adan, je viens de Paris et je suis venue à la cabine présenter Je t'aime déception. Donc cette histoire vient de multiples personnes et de multiples passés. Donc c'est depuis plusieurs années que j'avais commencé à récolter quelques récits, quelques phrases entendues par des amis, la famille, des étrangers, même des passants dans la rue. Et également ma propre histoire à certains moments. Donc j'ai mélangé tout ça et j'ai recomposé un tout à travers ces quatre personnages. Alors j'ai divisé cette histoire en quatre personnages pour que ça parle à une multitude de personnes, étant donné qu'il y a plein de façons différentes de subir la déception amoureuse ou de la provoquer. Et donc j'ai traité des quatre grandes déceptions amoureuses. Le deuil, la trahison, l'amour imaginaire et l'idéalisation. Alors l'histoire au début était censée faire une vingtaine de minutes. Je visais 20 minutes et voilà, pendant les scènes tournées, j'avais pas envie de chronométrer, je préférais laisser place l'émotion. Du coup, on a fini à 34 minutes.